Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Appréhender la fac. Donc dans ce deuxième épisode, on verra les fournitures dont vous aurez besoin ou pas, ça dépend de vous, pour votre entrée à la fac. Alors, pour votre entrée à la fac, vous aurez besoin d'une feuille et d'un stylo. Voilà, fin de la vidéo. Non, c'était une blague. Si on est vraiment dans l'extrême, ça suffit largement. Et donc ça amène au premier conseil. Soyez minimaliste. Pour votre entrée, on va tous être tentés d'acheter plein de fournitures, plein de cahiers, avec des super pochettes plastiques, des fiches Bristol de toutes les couleurs. Entre nous, ça sert à rien du tout, tout ça. En tout cas, là, on va commencer avec le must-have à avoir pour moi à la fac. C'est un ordinateur. Le mien, c'est un Asus. Hop, on n'a pas tous le budget pour un MacBook. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Un ordi, c'est à mes yeux primordial, même si les profs, ils vont vous dire que c'est bien d'écrire, que ça permet de mieux mémoriser, et c'est vrai. La mémoire kinesthésique, elle est travaillée en écrivant. Logiquement, tout le monde retient mieux en écrivant. C'est prouvé scientifiquement, écrire, pratiquer, ça permet d'avoir des connexions beaucoup plus profondes au niveau neurologique. Ça, d'accord, mais sauf que quand on a 3 heures d'amphithéâtre, 3 heures de cours, et encore, moi, je me rappelle, il y avait le premier semestre, j'avais un mercredi où j'enchaînais 10 heures de cours d'affilée. J'avais 4 heures de TD le matin, j'avais 3 heures d'histoire en amphi l'après-midi. Ladies and gentlemen. Et 3 heures d'économie le soir. I am officially running. Donc entre nous, l'économie, j'y allais pas. J'avais plus la concentration, vous voyez. J'avais enchaîné déjà 7 heures de cours. Donc après 7 heures de cours, non, j'allais pas en éco. J'ai essayé, mais j'avais pas l'énergie. PSU 4 à mon partiel, donc bon. C'est la faute à pas de chance, mais j'avais pas l'énergie tout simplement. Mais en tout cas, j'arrivais à enchaîner mes 4 heures de TD, j'arrivais ensuite à enchaîner avec les 3 heures d'histoire. Et avec mon ordi, les heures en amphi, c'était beaucoup moins fatigant. Enfin, ça, c'est beaucoup moins fatigant si vous apprenez à taper. Dans le sens où, dès le début, essayez d'utiliser au moins vos 8 doigts. Vous voyez, les annulaires, les auriculaires, ils sont compliqués à utiliser. Mais au moins, tous vos 8 doigts pour bien taper. Entraînez-vous dès le début d'année, même si au début, c'est dur, etc. Sinon, vous arriverez à la fin de l'année à taper avec les index, à copier sur la personne devant, la personne à côté, parce que vous n'avez pas réussi à gérer votre tapping. Donc voilà, donc ça, c'est comme le piano. C'est une analogie sympa, et c'est vrai. Comme pour le piano, il y a des positionnements de mains. Le tapping à l'ordinateur, c'est pareil. Donc voilà, donc. Privilégié un ordinateur, pas besoin du dernier MacBook sorti. Loin de là, votre ordinateur en tant qu'étudiant en général, il va vous servir à taper votre cours, à regarder Netflix. Pas besoin de dépenser 1000 euros pour regarder les Marseillais. J'ai mis les extensions à côté de mon lit et tout à l'heure je les ai cherchées, elles n'y étaient plus. Comme si elles avaient marché, elles se sont dit oh, aujourd'hui j'ai pas envie d'être sur la tête de Maëva. Achetez-vous des Panzani à la place. Voilà, vous devez vous dire, ouais, elle est marrante, elle nous dit ça sert à rien d'acheter un MacBook. Oui, j'ai un iMac derrière. Oui, mon père se l'a acheté. Oui, c'était un kiff. Oui, il a payé 2000 euros son ordinateur. Et même lui, il est conscient qu'il utilise 2-3% de ses capacités à l'ordi. Et que la durée de vie entre un Apple et tous les autres ordis, c'est la même. Ça veut dire, moi, dès le début d'année, les gens ils justifiaient leur achat. Non, mais ça dure plus longtemps, c'est de meilleure qualité. Oui, c'est de meilleure qualité. Oui, tu peux faire plus de trucs avec. Mais tu fais que utiliser Word sur ton ordi, cousine. Commencez pas à croire tout ce qu'on vous dit. Apple, ça tient pas plus longtemps. Moi, j'ai testé tous les produits Apple. Je sais que non, ça tient pas plus longtemps en Apple. Et oui, ça coûte 3 fois plus cher. Donc oui, c'est génial. T'as 3 fois plus de fonctionnalités. T'as plus de mémoire, plus de RAM. C'est top, hein. Mais en tant qu'étudiant, tu vas regarder les Marseillais. N'oublie pas. Ensuite, vous aurez besoin. Je pense que ça, tout le monde déjà l'utilise. C'est les stabilos. Donc moi j'ai fait mon année avec, j'avais un orange en plus, j'ai littéralement fait mon année avec 4 stabilos. Et n'achetez pas plus de 4-5 stabilos, parce que plus il y a de couleurs, plus vous serez tenté de tout stabiloter, et plus vous aurez l'illusion des compétences, c'est-à-dire que vous aurez l'impression que ça vous aide, que vous retenez mieux votre cours. C'est faux. Les stabilos, ça sert juste à surligner des mots-clés. Dans la langue française,
Il y a à peu près un mot-clé dans chaque paragraphe. C'est entre guillemets une règle. Donc voilà, les stabilos, ça sert juste à surligner les mots-clés. Et en droit, les autres filières, à mon avis, on n'est pas loin. Mais en droit, votre copie va dépendre de 5-6 mots-clés. Et ça va être l'un des critères principaux en droit pour avoir une bonne note. C'est d'avoir été capable de ressortir tous les mots-clés. Et ensuite, quand vous avez les mots-clés, vous faites des mind maps, ce que j'aime appeler des mind maps. Des mind maps, c'est des liens entre chaque mot-clé. Donc moi, je sais que je l'ai utilisé une fois au premier semestre en constit, parce que je me rappelle, il y avait beaucoup de mots-clés. Constit, sachez-le, tout le monde trouve ça dur, etc. C'est 2-3 mots à comprendre, on va dire, par chapitre, et à être capable de dérouler. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué. Soyez pas tentés de tout stabiloter, parce que beaucoup stabilotent tout, ça je l'ai vu à la bibliothèque. Oui, vous aurez l'impression d'apprendre, mais scientifiquement, c'est prouvé que ça sert à rien du tout. Et au contraire, c'est même dangereux, parce que ça peut vous provoquer l'illusion de savoir votre cours, alors que c'est pas le cas. Donc voilà, donc achetez 3-4 stabilos max, et soyez pas tentés d'acheter toutes les couleurs pastel des stabilos Boss. Et encore une fois, achetez-vous des Panzani. Ensuite, moi j'avais aussi un dictionnaire, j'avais acheté le dictionnaire Cornu. Il y avait tout le vocabulaire juridique. Je l'ai payé 35€ et il m'a servi à rien du tout. De nouveau, on trouve tout sur internet. Donc vous aurez le site d'Alloz où vous pourrez trouver vos définitions. Et les profs vont vous dire que les définitions Google, c'est de la merde, machin, machin. Pas du tout. Dans la barre de recherche de Google, si vous tapez le mot avec derrière définition juridique, donc par exemple prescription, définition juridique, vous aurez la super définition qu'il vous faut. Donc le dictionnaire m'a pas servi. Ensuite, vous aurez évidemment besoin de post-it. Ceux-là, je les ai payés 1€, je crois, chez Emma. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Je vais pas vous dire à quoi ça sert, vous savez vous-même à quoi ça sert les post-it. Et pour finir, moi j'avais un trieur. Donc j'avais ça, c'était des chemises, une chemise je crois que ça s'appelle. Et je mettais tous mes cours dedans et ensuite, quand j'avais fini un chapitre en général, j'imprimais. Donc j'ai pas assez d'imprimantes cette année, j'avais des imprimantes en libre-service dans ma fac, donc c'était 5 centimes la feuille, donc c'était rechargé sur la carte étudiant, c'était super. Et dès que j'avais fini un chapitre, je l'imprimais, je le ramenais chez moi, je le mettais là-dedans, où il y avait tous mes TD aussi dedans, toute l'année pratiquement. Et ensuite, je le mettais dans un classeur, donc voilà. Ensuite, en droit, évidemment, vous aurez besoin d'un code civil. Alors moi, comme vous le voyez, il n'y a pas 36 post-it. Donc j'avais 2 codes civils, j'en ai eu 2-3, je crois, à mon anniversaire. Donc voilà, donc le code civil, ça coûte 20 balles. Attention, prenez-en un jour, dans le sens où ne soyez pas tentés d'acheter des anciennes versions, même si je crois que cette année, le code civil de 2019, ce sera le même en 2020. Achetez-le à jour, de toute façon. Bon, moi, c'est Dalloz. Vous avez aussi Nexis Lexis, là, je sais plus quoi. Si vous préférez le bleu, achetez Nexis Trucmuche là. Et si vous préférez le rouge, achetez chez Dalloz, on s'en fout. Ensuite, ce que j'ai eu en constit, parce que ça c'est civil, le code civil c'est pour le droit civil, donc introduction au droit au premier semestre. Ensuite, on a droit constitutionnel, donc c'est droit public. Et là, moi j'ai acheté ce livre. Là, celui-là, il est plus stabiloté. Il m'a été bien plus utile que le code civil, enfin même si le code civil, je l'ai saigné. C'est le bouquin de Francis Hamon et Michel Tropper. Ce livre, il m'a beaucoup servi pour mon premier semestre. Je sais qu'il y a une première moitié, avec première, deuxième, troisième république, séparation des pouvoirs, etc. Et toute une deuxième moitié sur seulement la 5e république. Donc moi, que mon deuxième semestre, c'était seulement sur la 5e république, bah, j'allais pas me taper 300 pages sur la 5e république, je pense que vous comprenez. Why are you running? Why are you running? Il était super compréhensible, faut pas mal chercher parce que comme vous voyez c'est un gros pavé. C'est qu'en général on a des, même tout le temps, on a des espèces de petits implants tout faits. Et ça, bah ça peut vous faire facilement des sous-parties. Là par exemple on a la fonction exécutive. Hop, je sais pas, ouais, je pense que ça se voit. La fonction exécutive et on a petit A, le contenu de la fonction exécutive. Ensuite on a petit B, les organes, enfin... Franchement, achetez un manuel. Je vous le conseille, honnêtement, on va vous en conseiller plusieurs. Achetez-en un. Moi, il faut savoir qu'au début, le premier semestre, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Et j'avais acheté un autre manuel aussi, parce que j'avais, en matière ATD, j'avais aussi Histoire du droit. Je l'affiche quelque part. Je fais une petite parenthèse, si vous avez Histoire du droit en TD, ou juste en matière en général, achetez-le. Vraiment.
c'est vraiment ce... le cours, honnêtement, je ne l'ai pratiquement pas calé. J'ai juste calé le manuel et c'était trop cool. C'était sympa, il était bien écrit. Et par rapport au manuel, sans déconner, moi j'ai fait tout mon premier semestre avec celui-là, mais j'avais la version, la 30e version, alors qu'il y en a 40. Vous voyez, donc j'avais la 30e version. Il n'a pas changé. Voilà, donc si vous l'achetez, il n'y a pas besoin d'acheter la 40e version à 40 boules. Là, je l'ai acheté la 36e, donc 2015-2016. C'est exactement le même, il n'y a pas de changement. Et je l'ai payé 8€ sur Momox. Momox, c'est des bons, achetez vos manuels dessus. Donc voilà, donc déjà par rapport aux manuels, moi j'en ai vu dès le début d'année, en acheter plein, tout neuf, mais ils les ont jamais ouverts. Voilà, donc moi je sais que j'avais emprunté ces deux bouquins à la bibliothèque. Ah ouais, je devais les rendre 15 jours après, je les ai rendus 2-3 mois après. Mon argent. Mon argent. Je suis blacklistée, voilà, tant pis pour moi. J'en ai terminé, j'espère que ça t'a plu. Et voilà, pense à t'abonner pour ne rien rater. Si t'as pas vu ma première vidéo de la série Appréhender la fac, je te mets le petit en haut à droite. J'espère que vous serez de retour pour les prochaines vidéos.